Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères et sœurs, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 29 août 2024, nous comptons rentrer la caillou comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour nous informer. Nous gagnons police nationale d'Haïti avec force multinationale, policiers kenyans. Non moment n'a parlé à qui continue à progresser dans plusieurs quartiers chauds dans Cap Port-au-Prince. Nous sommes ça pour encourager intervention qu'a fait par bon côté policier kenyan yo, gagner gros autorité dans international là qui débarquer dans base multinationale là. Et nous gagnons Godfrey Otenge qui c'est chef mission qui parlait ou pral connait dans bon petit mamite qui ça dit et qui est dans international là. Qui te visite yo. Yon l'autre bon, nous gen porte-parole PNH, Michel Anjou Jeune, qui vient faire le point sur ensemble des formations kap circulé. Et nan dernier temps sa yo la, bandi yo si gon bagay yo pi fò la dan, c'est fait désinformation. Dans ce sa, la police décide et bay peyi, bay population, détail yo, c'est qui sa yo ye, rete connecté. Ministre Affaires étrangères, Madame Dominique Dupuis, décide de porter renfort par la police. Et dans ce sens, dans le cadre de la conférence que le ministre a participé, eh bien, il y a une grande intervention qui fait pour la police nationale d'Haïti par bon côté, autorité brésilienne. Yo. Nous allons partager l'information avec vous. Haïti politique, gloa pas fin trop propre pour trois conseillers présidents. Yo, nan moment n'a parlé à la, puisque après audition, yo, rapport ULCC a sous route pour prendre la rue, nous allons connaître c'est qui position et trois présidents et qui gagne grave soupçon corruption sous dos. C'est qui position yo, par rapport avec situation si là. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber ce channel, là, pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez être connecté avec nous pour ne pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Demain 30 août 2024, librement, qui exactement yon l'année depuis paysan plein de Maribarou, te décidé, y a percé canal, y a prendre l'eau dans la rivière Massacre pour aller user jardin. Yo. Et c'est une décision qui t'a pral levé plim sous de dominicain yo nous compte toute cette histoire yo jusqu'à ce que canal KPK arrive mette campé et demain là pral gen gros causé pral gen rololoy dans festi canal et m'a pas encouragé et chaque grand haïtien qui dans département nord dans nord-est pays qui voulait al commémorer dat ça al poté collé pas hésiter faire ça ticket à vendre bon marché 1000 goud ou acheter ticket pour aller dans festi canal et comme ça ou encourager davantage paysan yo pour yo joindre bon gens machine agricole puisque objectif festival là c'est fonds levée de fonds pour accompagner paysan yo commencer acheter matériel agricole pour paysan yo n'en rentrer dans dossier insécurité nous gagne une vidéo nous pral partager avec vous. Depuis hier, vidéo ça a circulé sur réseau à côté et nèg exam yo coalition gang vivre ensemble nan yo a utilisé des petits moun entre 7 à 15 ans yo a utilisé yo la gueu dans la rue comme tout est et fait yo quitter zone côté yo et dans fief bandi yo al dans l'autre zone côté bandi yo gen intention pour aller envahir et comme ça. Là on dans la rue, on a dit c'est tout monde qui a demandé, c'est tout monde la rue et pourtant c'est tout terre bandi yo yé. Dans canapé vert et grande situation qui t'a développé hier côté et gagné près de 25 petit monde suivant ça qu'a dit que nèg yo la gagné dans la rue. Moun canapé vert grâce à vigilance yo intercepté et plusieurs là-dedans mais gagné yon yo fait parler. On nous a regarder ensemble avec moi qui ça t'a dit dans vidéo si là. Ou konn ki boy là? Qui boy là? Qui boy là? Qui j'en boy c'est aidé? Bonne place là. Canapé vert. Le canapé vert. Nous sommes de 25 par oui. Pour qui ça vous voyez? Je me dormis. Vous avez parlé de gens qui sont mis sur les cahiers? Et vous êtes bandit? Non mais qu'avez zone bola kala. Qui zone kaya boy? Qui boy? Bola kala les mouna koumé. Qui bon?
Dans Brooklyn. Dans Brooklyn? Non, et... Où j'ai d'où y'a? Salé. Et ça t'es dit? Bien le coup? Salé. Simon? Le projet est là. Le projet? À nous, nous sommes juste un projet pour venir jusqu'à la rivière. Et nous, au nombre de 25. Samedi, qui est matin, il dit non, il fait kidnapping, il tue le monde déjà. Elle qui est bézame, il montre nous qu'on est bézame. Et vous dites qu'on est bézame 12, va vrai, 12, c'était pour qui m'en l'est. Oui, il me mette sur la salle tout seul, il monte la donne. Il va qui me dit ça? C'est à Bulfo? Chef que les caïens. C'est mon temps que c'est l'école pour aller même. Après ça, maman me dit que ça roule. Bonjour. Ma voix à l'école de pour papa, c'est bâton à point. Nous, on est de 25, nous avons tous 25. Rappelons-nous un mot ça. Je dis à nous bonne chance et canapé voye. Nous pas tout et si moun dade. Geti filade? Sou allez, dis nègre nous pas tout et si moun dade. Geti filade? Dis nous pas tout et si moun. Dis vous voyez grand moun, dade? Dis vous voyez grand moun. Moun qui gen maturité, dade? N'a pas gardé visage ti moun, n'a pas gardé expression visage. Nous a sot ti moun qui théorise. Li théorise pour qui ça parce que. Nègre yo, quand elle sorti, y a assurément yo ballon mission, yo ballon travail pour la le faire. Aller, al visualiser, al garder habitude moun yo, al suivre habitude moun yo, etc. Et puis après, pour tourner côté information, ou garder des petits clans traumatisés. Li traumatisé pour qui ça? Parce que, automatiquement, yo intercepté, yo kembe, li a fait le palais, li getan konne, li getan ouè se nan mais milliers. Li pa konn ki sa karive l. Heureusement, moun canapé vert, yo kopran. Yo wè son ti moun. En dépit du fait que nèg yo ka voye l vin fè, vin pren information, vin fè antenne, vin fè tout ça, mais son ti moun son innocent lié. C'est ti moun ki pou ta l'école, c'est ti moun ki pou ta ap joui enfance li, ap joué ap teke mab, ap joué football. C'est ti moun ki pou ta ap joui enfance li. Mais le fait que nous nou pays côté tout vous m'se do, dirigeant au lieu assumer responsabilité yo pour yo pacifier pays pour yo permettre à ce que ça gain là comme maligne comme absé pour pas reproduire dans 10 ans dans 15 ans pour c'est pas même pratique qui continue également yo pas faire rien conseil présidentiel transition soit pas que délai car habillé clair dans lui c'est affaire pas y a réglé. Nous gros gouvernement c'est lutte pour pouvoir qui gagne avec CPT. Donc entre-temps population c'est eux même qui paye podcast, c'est eux même qui paye frais yo. Donc Meli, on ti innocent, on ti les anges comme ça. Kou nyo pral di m, nèg exam yo, c'est pas mauvais, c'est pas la on yo. Ou pral di m, OK, c'est seulement oligarque qui crée yo comme ça. C'est seulement situation payante météo là. Mais là, yon pour un jeune petit monde comme ça, yon pour un petit enfant comme ça, pour yon détourner, pour yon voyer là, le fait job ça. Nous, yon depuis petit monde dans le tout petit, yon a intégré, qui a venu payer, qui a venu société. Donc là, yon dit nous, yon te met tout yon même comme grand monde jodi, mais yon assure yon que demain kapi mal, que demain kapi grave là. Nèg yo konn sa y'a préparé pour payer. Nèg yo konn sa y'a préparé en vérité yo konn. Nous gagnons toujours dans question insécurité. Hein? Nous gagnons chef mission multinational là. Godfrey Otenge, hier qui annonce pays, hein, li te recevoir visite Bob Rae. Bob Rae qui c'est ambassadeur Canada dans Nations Unies, il était rencontré avec chef mission Kenya, il était allé dans base multinationale là et base mission multinationale là côté que t'es gagné yon chita parler qui t'a fait. Qui ça yon publié comme information sous compte officiel mission. Dia en parlant de hier, mais encore 28 août temps. Commandant Forsan Godfrey Otenge l'y accueilli, l'y recevoir ambassadeur Canada dans Nations Unies Bob Rae. Rae était accompagné avec André François Giroux qui est ambassadeur Canada en Haïti. Il était gain avec lui également Steve Côté qui est coordonnateur ISAG et il était gain Lynn Wallace qui lui-même c'est chef mission permanente Canada dans Nations Unies. Rae était gain une réunion, il était fait à huis clos avec Otenge et toute équipe direction qui était accompagné là. Côté déjà et Rae te commencé par remercier
et autorité kenyan yo qui en Haïti parce que yo a fait un travail, un bon travail et dans pays hein, dans mission hein, malgré que mission c'est en phase de déploiement lié. Yo continue pour yo dire que mission multinationale là son mission qui unique. C'est vrai qu'il y a des problèmes que yo a fait face, des problèmes qui existent dans contrat mission en même, mais ambassadeur et Canada dans Nations Unies promettent que yo pral examiner problèmes sa yo. Li réitéré et li réitéré succès mission hein, côté que li dit mission succès victoire mission multinationale là c'est pral yon victoire pour communauté CARICOM nan qui yo même té longé mais bay Haïti té longé mais bay mission multinationale là pour aider Haïti combattre gang combattre bandi. Li continue en parlant de ambassadeur Bobré, li continue pour saluer opération conjointe qu'a mené entre la police nationale d'Haïti avec policiers kenyan yo. Côté li dit li observer li wè et haïtien yo gen en pile attente, gen en pile espoir par bon côté et force multinationale là pour résoudre problème insécurité hein. Li félicité Godfrey Otenge et li également félicité Ramon Ormil pour collaboration yo gagné qui inspiré en pile confiance par bon côté population haïtienne là. Otenge lui-même li salué gouvernement canadien hein, pour soutien yo porté dans mission multinationale là. Côté li reconnaître gagné des formalités administratives et que Canada te facilité yo réduit. Li mande l'autre contributeur yo, l'autre pays qui yo même yo di ap aider mission multinationale là, y ap aider Haïti pour le faire ça pour l'autre pays ça yo faire ça un petit genre plus rapide parce que c'est espoir yo, tout espoir peuple haïtien hein, c'est sou yo lié pour le combattre gang, pour le combattre insécurité. Godfrey Otenge li renouvelé volonté le gagner pour affronter gang yo pendant que li averti que opération la police a mené yo, c'est des opérations qui ciblées et opération yo pap campé jusqu'à ce que gang yo vinc gang yo jusqu'à ce que yo joine bout nèg exam yo k'ap terroriser population. C'est comme ça et Godfrey Otenge li té rencontré avec Bobré qui lui-même c'est ambassadeur Canada dans Nations Unies. Après et visite ambassadeur là, effectivement, té gagné une mobilisation par bon côté la police nationale d'Haïti qui continue et a déployé de manière conjointe policiers kenyan yo dans divers quartiers dans capitale parce que bandi yo même pas badba bandi yo pas replier la police pas gain pour replier plus bandi yo a avancé c'est plus la police a déployé. Oui c'est vrai dans dernier jour ça yo gen pile moun ki bat gros bravo parce que yo wè pour une fois la police a fait intervention li pa replier la police présent dans Solino la police continue à affronter bandi belè yo yo continue à affronter nèg exam yo pour permettre à ce que la paix retourne dans Solino. Cependant la police a besoin plus effectif, la police a besoin plus support, la police a besoin plus moun pour aider yo. Et dans ce sens, nous gagnons ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis qui lui-même dans cadre yon conférence li a participé et conférence ça qui est faite dans pays Brésil, eh bien il était tout profité font parler avec autorité brésilienne yo pour garder comment yo te ka aider Haïti. J'en ai gardé là, m'a pli pour nous. Madame Dominique Dupuis, li fait un poste. En mission dans Brésil, dans cadre conférence sur diaspora africaine na Amérique, moi rencontré et jodi a ministre justice brésilien Ricardo Lewandowski en collaboration avec ministre défense José Mucho. Et démarche gen temps entreprendre pressé pour renforcer sécurité en Haïti et puis corré force de l'ordre nou yo. En plus, 400 policiers haïtiens capables bénéficier formation dans plusieurs centres dans pays Brésil. Nous nous situation extrêmement compliquée. Parce que pas oublier dans pays Brésil tant qu'en Haïti, gagné en pile groupe armé. Et dans Brésil vraiment nous qu'on a regardé que ce soit dans documentaire, que ce soit dans film, dans reportage, comment dans favelas, comment nèg exam yo
et yo qu'on a mette piège et comment policier yo même yo gen tactique yo gen stratégie pour rentrer dans favelation pour éviter et pour éviter un pile dommage collatéraux malgré dans toute opération a toujours gagné des victimes mais yo gen tactique yo gen stratégie et en Haïti en pile fois gen plusieurs groupes experts qui toujours dit ça qui passe dans quartier populaire yo. La police besoin bonne stratégie. Faut que policier yo gen technique guérilla, technique de combat urbain yo et pour yo arriver anticiper, intercepter et confronter bandi yo. Faire face avec bandi yo, affronter bandi yo et arriver rétablir la paix. Et dans ce sens ça, ministre affaires étrangères là, il pas seulement aller dans conférence ça comme ça comme ça, mais il tout profiter chercher des opportunités pour 400 policiers haïtiens à prendre formation et dans pays Brésil et sous tactique combat sous question et bataille urbaine guérilla urbaine etc. Donc là nous pensons c'est une très très bonne nouvelle pour PNH, sont très bonne nouvelle et parce que policiers yo pral gagner et plus capacité leur fin prend formation pour yo rentrer dans farine dans ghetto yo pour yo rentrer dans quartier populaire yo pour yo anticiper le bandi yo même ka mette piège pour yo faire trou faire trancher. Vous comprenez le ça policier leur a rentrer a connait côté a rentrer comment pour yo déployer. Donc bravo ministre, bravo parce que oui, vous intervenez là, non, point qui est extrêmement important et surtout, non, moment qui est difficile pour PNH. Nous apprécions ça. Nous apprécions ça. Et démarche ça, nous avons besoin yo, non seulement pour la police, mais également pour la médaille. Parce que, pas oublier, nous pas seulement de PNH, nous avons la médaille qui est là. Et militaire, la médaille, si nous pas fait rien pour nous continuer formation, pour nous mettre, pour nous kembeyo on top. Pour nous kembe yo bien et n'entraîner arrivons temps n'a poser tête nous question pour qui ça la meilleure plat. Donc nan moment là comme gouvernement Gary Conille là yo dit grand mariage police population FADH donc là n'a tonne pour nous commencer ouais sentir résultat par bon côté la mer d'Haïti bien que nous ouais et PM nan l'a chercher contrôler la mer mais depuis yo bay pays a résultat, depuis yo bay population résultat sous le coup, c'est résultat n'a pas c'est résultat nous besoin et puis après n'a fait commentaire yo. Mais pour kounye a, c'est ça n'a cherché. Cependant, ministre affaires étrangères là, li gen un pile l'autre appel, li gen un pile cri de détresse parce que gen un pile compatriotes en République Dominicaine, dans pays Mexique, dans pays Brésil, dans pays Chili, qui a mandé pour ministre affaires étrangères là intervenu. Et dans le dossier immigration, parce que yo trouvé une situation qui est extrêmement difficile. Donc, il était important pour nous faire un message ça a passé. Nous avons porte-parole la police, Michel-Ange Jeune, qui lui-même lui parlait. Hier, il y a un policier, un jeune policier, qui sortit dans la 28e promotion de la police, qui mourit dans des situations et dans des situations un peu compliquées. Te gagné premier élément information yo qui te dit c'est de insécurité généralisée à la victime en bas même bandi mais bagay yo t'a pral plus grave toujours puisque suivant ça qui dit ça la police bay comme information eh bien c'est propre sœur policier là qui fait complot avec Marie li avec Marie et sœur qui li même son l'autre policier encore qui et éliminer qui touye jeune policier là. Donc nous pral gagner plusieurs informations sous hélicoptère PNH en fait réquisition et bataille la police a mené là on nous attendait tout détail toute explication que porte-parole là lui-même li tap bay. Et la police est en deuil, il y a une policière qui a été criblée de balles. Donc on parle de plus en plus de complot familial. Est-ce que la police est capable de nous ça le penser et qui ça gagne comme premier élément d'information par rapport à l'assassinat lâche et odieux de cette policière à Delma 64. La police effectivement est courue sur place dans un Toyota RAV 4 couleur bleue et rejoint corps policière là. Et c'est un agent 2 de la 28e promotion, c'est Nathaniel Medjin Michel. Après constat légal, enquêteur de CPJ est arrivé sur place et de concert avec la police locale, il y a une enquête de proximité. Enquête ça permet que
et interpellé un policier. Attendez, oui. Qui c'est Quentin Jean Andersen, agent 2, affecté à l'unité départementale de médecins d'ordre Ouest 1, comme monde qui est présumé auteur crime ça. Par la suite, tout après l'arrêté, Nathalie Michel, qui c'est madame policier Cantave Jean Andersen, tandis que Nathalie Michel, c'est sœur victime Nathaniel Medjil Michel qui est assassiné. C'est un policier, là. Et enquête, montrez-nous, c'est pas, ça pas ta gain pour eux avec l'insécurité généralisée, mais plutôt, il y a un conflit de famille, et sous ta blague, il y a hypothèse conflit terrien, il y a hypothèse sur bien matériel, donc il y a plusieurs bagages qui sous ta blague capable de permettre l'enquête là avancer. D'autant plus pour rappel, M. Gary-Pierre Paulchal, et policier ça, quelques temps avant, en tant que pas qu'à mesurer parce que je ne suis pas là. Donc, Marie, elle était assassinée d'Elma 31 dans des circonstances à peu près pareilles. Bref, enquête là, elle n'a pas avancé, mais nous déplorons ça que la police a perdu Vili et dans ces circonstances-là. OK. À côté de ça, il y a également, comme on dit, nous avons toujours dit qu'il y a des policiers qui sont impliqués dans des activités et douteuses, oui, notamment Guéné qui a servi comme antenne pour gang, Guéné qui a servi tout et joué une cop dans mes bandits, etc. Ou a mené une vie vraiment luxueuse. Dans ce cadre-là, gagné un policier qui font braquage au niveau de Delma et semblait monsieur pendant la couille qui était amené à tout badi. Nous avons plus de détails, porte-parole. Oui, certainement nous capables de plus de détails. Et il y a 5 policiers pour l'instant là. Cap répondre question et la police. Parmi eux, il y a un policier Boyd et un policier Udmo, un policier Bim, alors deux policiers Bim. Moi garder me la garim poko bay non yo. Mais gain preuve que policier sa yo a travaillé, a collaboré avec plusieurs foyers gang dans l'aire métropolitaine là. La police relé yo, il a posé aux questions et m'poko bay non yo pour l'instant. Mais ça qui gen pour avec cabracage là, c'est dans la nuit 24 pour 25 mois d'août. Dans Delma 32, t'es gen yon machine qui était en panne, c'est ton camion Mack couleur rouge et plaque là c'est TM18780. Son machine qui t'es gen marchandise à Boli, particulièrement il t'es gen jury à Bol. Il était un passager à bord. Il était 2h du matin, les un groupe moun te prend machine ça en otage pour te dérouter li et il te prend contrôle marchandise yo et passager qui est à bord machine. La police informée, 2h du matin il arrivé et yon nan monsieur ça yo fait feu sur patrouille la police là. Et renfort arrivé, échange de tir, monsieur yo courir. Police yo progressé, yo arrivé bon côté machine là. Rive gen contrôle moun yo, passager alors, et c'est alors que la police pral découvrir gen bandi yo couri kite yon zam à feu, qui c'est yon pistolet de calibre 9 mm, numéro de série TFW17205, qui c'est propriété la police, yon chargeur de 15 cartouches, yon téléphone portable. Et bouche policier a tout rete sous place, gen badge li. Et policier ça, nous venons remarquer, son policier qui est Benoît Ivenson, 27e promotion de la police, qui a affecté encore une fois dans l'unité départementale Ouest 1, médecin d'ordre Ouest 1. Donc, si nous bien comprenons, dans le cas ça, nous avons affaire avec des bandits policiers. Ça, c'est grave. Ben, là, son est l'aide des bandits policiers. Ça veut dire, une molouèche 1, en pile là, dans eux, son paquet de mauvais jeu. Il n'y a pas fini bon monde. C'est plusieurs là-dedans qui est en isolement, yo a interrogé yo parce que yo gen connivence avec gang ak bandi. Donc on a comprend plus bien, leur dit nous intervention la police yo échoue bien policier prend en embuscade, n'a pas comprendre ça que fait ça. On avance. C'est situation ça, nous capable d'écrire pour l'instant, ça pote nous comprendre parce qu'on te dit déjà problème institution li à la fois interne et externe. Externe, la goumen avec foyer gang,
qui pas permettre la population vaquer à activité dans calme et sérénité. Mais tout malheureusement, il y a des problèmes internes côté membres, certains membres de connivence avec les bandits et à braquer la population, permettre tout, de ne pas vaquer à l'activité. Moi, je fais ça, et M. Gary Pierre-Paul Pal, sans façon que pour me rappeler policiers, yo, collègues policiers, yo, que le serment a été fait, a été juré pour yo te protéger la population. Et je souhaite yo, m'encourager yo, à chaque action que y a posé pour changer, jour où tu as gradué, qui serment tu as fait. Je souhaite que tu n'as pas oublié ça. Et commandement de la police, là, M. Normil Rameau, qui est une quatrième promotion dans la police, là, qui est directeur général de la police là, pendant deux fois, connaît qui conditions difficiles que les policiers ont travaillé. Il n'a jamais ménagé et folie pour combattre, pour joindre moyens. Pour mettre les policiers dans la plus bonne situation pour le travail. Mais conditions difficiles qu'il y a affronté, qu'il y a confronté, pas autorisé à tomber dans des bandades, pas autorisé à faire ça qui passe ça, parce que les policiers, les seuls boussoles, c'est la loi. Et Edmil, c'est bandit. Et moun la protéger, Zamil, c'est population. Donc, rete policiers. Donc, rete dans la population, rete gen la loi comme boussole, Donc, c'est message ça, directeur général va te charger pour me dire policier, pour yo ressaisir, pour yo rete et dans le principe, dans la déontologie la police là. Mais quand yo dévier tout, commandement pas ménager et folle tout pour le ramener à l'ordre et prendre des mesures administratives contre yo. Et appliquer, permettre aux autorités judiciaires d'appliquer des mesures judiciaires contre eux, sauf à ce que pour rester carité le plus sain que possible, pour être capable de trouver la meilleure condition pour le travail. Voilà. Et bon, le bail et tout. Comme porte-parole, la papa, c'est pour le dire. Population, tout. Population, à chercher, on a leur dévier, leur quitter rail pour protéger et servir la population. La population croisée avec eux. Population pas manqué pas traité autant que bandi non et depuis population en a fait avoir c'est bois calé le baou OK puis gandine bat connaît et il y a des policiers qui font des efforts sur le terrain en termes d'opération. Donc il y a eu une opération hier, il y a 4 policiers qui blessés et il y a des informations qui font état que il y a environ 19 autres monde et des individus armés qui blessés mortellement. Est-ce que vous êtes capable de nous plus ou moins de détails concernant cette opération? Parce que il y a un bail qui est important pour nous jusqu'à présent. C'est un pas seulement à ce qu'on a parlé de 19 personnes, parce que bah ouais, personne ne dit ça qui passe dans l'opération. Donc, comme porte-parole, est-ce qu'on a informé la population? Très bien. Depuis environ 72 heures, la police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti, avec des contingents de forces étrangères, et ils ont trouvé dans le bas d'Elma, Solino, Bel Air. Et tout le monde connaît, quoi, tout récemment, là, nous avons fait interview. D'ailleurs, nous avons posé une question sur ça. Moi, j'ai dit non, oui, réponse là, là, pas loin, pour le porter, pour le river dans la zone. Voilà, depuis environ 72 heures, et force yo engagé au souterrain, et que non, ouais, c'est pas le même genre opération que qu'on fait avant yo. Ça veut dire que yo rivé et yo rité. Opération li en cours. Pour qu'on gagne un bilan qui baille, même de façon partielle. Même si, bien entendu, tout le monde connaît qu'il y a un policier blessé, mais il y a un monde qui, il y a un bandit qui blessé tout, il y a un bandit qui tombé, il y a un âme qui saisit. Mais en temps et lieu, autorité, il y a bail, bilan, pour dire exactement qui sa situation a été avant, qui sa situation est pendant l'opération à mener, et après l'opération, c'est qui ça. Voilà. Nous remarquons, avion continue à venir à port matériel. Est-ce que ça veut dire capacité pour d'intervention de la police a augmenté? Et timidement, oui. Et en termes de matériel, il y a des efforts qui sont faits. Et nous pas arrivé à dire nous avons tout ça nous besoin jusqu'à présent, mais progressivement, au fur et à mesure, il y a des matériels qui sont arrivés.
Et quand nous trouvons nous dans meilleures conditions de travail, c'est pas seulement Solide Nobel en privé, puisque le problème non, c'est pas là seulement lié. Et grands axes routiers ont besoin de débloquer. Bien, même problème ça dans plusieurs autres départements en d'un pays. Hein. Donc, si nous avons possibilité pour nous travailler sur plusieurs fronts à la fois, c'est le meilleur monde, c'est la meilleure des choses. Mais nous ne sommes pas encore là, mais nous travaillons pour nous arriver là. Ben, résultat. Autant que possible, oui. D'abord, c'est la méthode, la plus bonne méthode, la meilleure méthode de travail pour force de l'ordre qu'à vous, mais quand on fléau aussi intense que le lien dans le pays qu'on y a là. Et autant que nous capables de faire ça, oui. Pourquoi pas? N'a fait le Solino, n'a fait dans l'autre foyer gagnant, n'a fait dans l'autre département en d'un pays. D'ailleurs, c'est la meilleure méthode là. Est-ce que Kadine sera faite pour Fort Parisien parce qu'il y avait eu une marche pour la paix, une marche contre la violence, puisque les bandits étaient gantiers et ont annoncé qu'ils allaient aller Fort Parisien, Mounio a préparé pour ça, il y a un carnage d'autres bois. Est-ce que la police déjà informée et qui mesure capable pour protéger la population de Fort Parisien? En pile démarche à faire, en pile initiative à prendre. Et la police en contact avec autorité locale, en contact avec plusieurs membres en dans population, hein, et pour permettre réponse dans l'hypothèse. Mais Gary Fomzo, c'est pas Fonds Parisien seulement. En fait, là, on a parlé des problèmes, on nous dit c'est pays, on nous dit c'est pays, et Jean Solzo là, autant que moyens matériels disponibles, autant que nous, effectifs, nous les augmenter, et commissariat qui était déserté, yo, et leadership la police actuelle là qui permet que commissariat yo regain moun et nous capable agir sur plusieurs fronts à la fois n'a arrivé faire ça. Alors on t'a parlé de matériel d'aléa et selon information rivé joine t'a gagné un lot de matériel gouvernement américain avec gouvernement canadien à travers ambassade dans pays a yo remettre by DGPNH là hier et qui ça matériel ça yoyé et nan qui c'est capable aider dans opération qu'a mené yo. Et il a déjà commencé à aider déjà dans la mesure où et environ une vingtaine de chars est arrivé dans dernière 72 heures ça là et qui permettent que la capacité la police là capable capacité opérationnelle est toutefois capable d'améliorer et ont commencé à utiliser déjà et mais ça pas veut dire que nous gain temps gain tout ça nous besoin et certainement gain des bagages qui doivent arriver qui pour arriver. Mais pas oublier, yon opération li implique yon paquet aspect et matériel yon, c'est yon aspect qui est très important. Et dans le cadre d'information, dans le cadre bilan, et dans le cadre de bail, nous pas parler seulement de la police dérivée et l'été travail, mais matériel yon tout, nous parler de ça. Et parce que c'est ensemble des facteurs ça yon qui permettent que la police là, est capable d'intervenir. Dernière question, monsieur le porte-parole. Est-ce que vraiment nous capables d'espérer que l'hélicoptère a venu? Parce que chef gouvernement et certains membres du gouvernement et même dans la police a parlé de venu. Parce que chef gouvernement et certains membres du gouvernement et même dans la police a parlé de l'hélicoptère qui a venu prochainement. Dans tous les pays du monde, et monsieur Gary, la police aérienne, la police maritime, la police terrestre, c'est trois entités qui mettaient ensemble pour combattre la grande criminalité. Parce que bandits, ils ont utilisé tous leurs moyens. Mais de 1995 à date, et personne ne peut jamais un hélicoptère en l'air qui marque la police nationale d'Haïti. Et sur le plan maritime, moyens sont très, très limités. Donc, il n'y a pas de magie. La police la doit doter de ça, puisque toute force police l'autre côté gagne yo. N'attend yo pour qu'on arrive. En pile moun wè, sous toi là, dans le réseau, et nous wè de moins en moins de cadavres hein, cette fois-ci, parce que les grandes décisions du gouvernement prend sous question ça. Mais hier, il y a pédé montré à bâton rompu, une série de blindés qui a boulé, et gros nèg même qui a dit, mais Kenya a boulé, mais Kenya a boulé. Il y a une bataille qui se fait une bataille en termes d'information. Est-ce que nous comprenons une bataille ça, un? Deuxièmement, est-ce que c'est vrai gain blindé qui a boulé? Et troisièmement, qui ça nous-mêmes n'a fait pour nous capables contrecarrer en termes d'information
mauvaise nouvelle ça yo, surtout fake news qu'a bay contre la police nationale. C'est alerter population plus que possible et pour très prudente, très vigilante par rapport à un ensemble d'intoxication qu'a fait sur réseaux sociaux. Et puis dans un second temps, c'est informer la population plus que possible de la bonne information pour le capable gagner information, la bonne information en temps réel. N'a pas travail et nous pas prendre. Vous pouvez dire non, est-ce que Blende ça au boulet vrai ou bien son bail qui était passé depuis longtemps? Justement, et monsieur Gary, moi dis que n'a travail et pour nous capable présenter bilan opération hein, et population mettre tête frette, les mettre quoi nous les vraies informations c'est lui même n'a communiqué mais pour l'instant garder de toute désinformation et de toute intoxication parce que bandiyo yo utilisé plusieurs moyens pour yo détourner attention monde pour yo détourner attention force de l'audio pour pas arriver sur vrai cible. Voilà. Coup mais nous voulons dire avant aller merci pour travail. Bien, n'avance. Haïti politique, qui ça a passé dans le moment de la conseil présidentiel transition? Hein? Qui ça a passé dans le dossier scandale corruption BNZ? Hein? Suite avec audition et trois présidents, on a parlé de Smith Augustin, Red et des compromis historiques, Emmanuel Yantiler, Petit Dessalines, et Louis-Gérald Gilles, accord 21 décembre. Dans le moment où on a parlé à la, eh bien, que Emmanuel Yantiler, Smith Augustin ou bien Dr. Louis Gérald Gilles, eh bien, parti politique Mounsa yo structure qui côté yo sorti yo, eh bien, yo campé red derrière yo, yo pas font pas quitter en panago. Yo pas démissionné et selon Smith Augustin et dossier ULCCA, li pas gagné aucun fondement juridique, li pas gagné aucune base légale. Pas gagné des éléments à charge contre eux-mêmes, pas gagné de véritables preuves contre eux-mêmes. C'est tout simplement yon complot politique, c'est tout simplement yon équipe qui bien orchestré plan, qui bien monté film non, pour yon sale caractère, pour yon sale imagie, pour yon empêcher li prend tête conseil présidentiel transition hein, 7 octobre prochain k'ap gen pour venir là. Donc c'est comme ça Smith Augustin lui-même qui t'a parlé avec le nouveliste, là il t'a posé la question suite avec audition là, il t'a pral fait connait que tout ça qu'a fait là c'est bataille politique. Yo même pas bon côté pa yo, yo rete confiant, yo rete solidaire et que conseil présidentiel transition hein, et li a subi une attaque politique, c'est l'affaire est politique et sans fondement juridique, c'est ça le déclaré et que li même li rete quoi. C'est pas cadeau yo a fait le pour 7 octobre rivé pour la prendre tête conseil présidentiel là mais plutôt c'est un droit le gagner son acquis le gagner parce que décision t'est prendre dans conseil présidentiel transition hein vote t'est faite et 7 octobre cap gain pour venir là n'importe gens ça y est c'est lui qui prend le président gien moun qui dit le fait que monsieur était allé dans ULCC pour ULCC enquêteur yo auditionné yo tendé yo posé aux questions c'est conforter ULCC conforter nèg yo dans position hôpital parce que déjà nèg yo rete mette dans tête yo ULCC pa gagne élément contre yo même pa gagne des preuves contre yo même son dossier qui sans fondement juridique qui sans base légale donc yo allé, yo pote tête yo allé, c'est parce que yo te vle, son bagay volontaire yo fait, mais qui pa ka entaché processus et qui pral gagner 7 octobre pour Smith Augustin retourner pour Smith Augustin prend contrôle CPA, ça pa ka empêcher Smith Augustin atterri et par la suite comme c'est yo bataille politique qu'a fait, eh bien yo même tout yo paré pour yo faire lumière sur dossier ça. Est-ce que conseil présidentiel transition a gen l'autre acteur qui yo même concerné? Est-ce que véritablement Jean Rolonger doit être sous primature sous premier ministre Gary Conille? Est-ce que Gary Conille ou bien équipe PM Conille yo gen pouvoir avec dossier scandale BNC hein? Jusqu'à date trois conseillers présidents, yo rete quoi? Conseil présidentiel transition a bien marché. Et si yo tellement bien marché,
que yo pral préparer élection conseil électoral provisoire à Paris, yo mettez campé comité pilotage conférence nationale et nan jou k'ap gen pour venir là yo, c'est l'autre bagaille qui pral fait puisque yo prend engagement pour yo renforcer la médaille d'Haïti, pour yo aider la police nationale d'Haïti joindre plus matériel équipement pour combattre gang. Donc toute bagaille a bien passé pour yo en dedans conseil présidentiel transition. Cependant, nous avons un ancien sénateur, Dieu seul, Simon Dera, qui lui-même lui parlait. Compatriotes haïtiens frères, on nous attendait, dans bon petit mamie, tout détail, toute explication, ancien sénateur lui-même la baille sous dossier politique dans la cour pays d'Haïti. On attendait ensemble. Je me suis posé une question, est-ce que gagne met tête ou bien c'est des proxy que oui. Et me suis toujours posé question ça parce que moi était quoi? Là, vous voulez résoudre le problème, non? Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre en aval, ce n'est pas moins un problème non, en amont. Parce que quelque part, toute bagaille a une origine. Quel que soit soit fait, une origine, un côté de sortir. Un côté de lui veiller et un côté de lui aller, si vous voulez camper, vous dites, je vais casser dans votre poule, je vais camper là. Donc, moi, je pense que c'est. Mais il y a qui croit que M. Bandi, aujourd'hui, il n'y a pas de patron véritablement. Yo gen autonomie financière, yo riches, yo gen un pile d'argent que yo capable voler de leurs propres ailes. Qui ça qui faut croire que des politiciens t'as capable commanditer yon attaque sou ou gen un problème politique avec des monde? Non, li pas forcément et alors pour Bandi globalement, li pas forcément c'est des politiciens qui mettent yo. Parce que pas oublier Bandi yo affaires insécurité en Haïti, hein, il n'y a pas seulement problème et insécurité, ils sont liés à ouais avec d'adi économie tout. Ça veut dire l'écraser économie pas nous parce que mon bac a circulé, mais en même temps, les ranger économie black market qui existait pour mafia dans le monde là. Parce que pendant que dit Haïti gagne et par exemple embargo, zam que l'État haïtien va acheter zam normalement etc. Mais zam sorti tout côté, zam sorti par exemple les États-Unis d'Amérique c'est 9%. Quand tu es seulement, tu checkes les apps sortis de pays. C'est les apps en train de pays, tu checkes 100%. C'est grand 9%, tu checkes. Ça veut dire que tu n'as pas de contrôle sur les apps sortis de pays pour venir ici. Donc, depuis que tu as quitté la caille, tu fais un check de routine 9% seulement sur l'ensemble de. Mais on a des témoignages sur ça. C'est 9%. 9% est presque insignifiant, c'est naturel. 9%. Donc, ça veut dire quoi que Black Market, là, ça n'a pas de. La mafia économique a fonctionné, il y a intérêt dans l'insécurité dans le pays d'Haïti. Parce que toute l'insécurité a fini. Cartouche pas vendre, zam pas vendre, et il y a des collabos sur place, tout, même qui c'est un business. Il y a un peu d'autres business qui ont fait blanche pour blanchir l'argent, pas marcher encore. Donc l'insécurité a venu dans le business pour certains municipes. Pendant que le business a crasé l'économie pays, hein, pour nous faire business pour un plan, nous faire business tout bon. L'écraser l'économie paysanne, l'écraser tout le bagaille, mon pas qu'à circuler. Sénateur, il y a 9% de conteneurs qui ont fouillé. Je pense que c'est un bagaille qui est insignifiant. C'est aussi étonnant que ça t'accaille. Malgré l'insignifiant, même pas où il y a une réalité à partir des recherches qui me font sur la question ça, à partir d'un peu de consultation qui me font sur la question ça. Les, par exemple, des marchandises qui ont quitté l'autre pays, entrer aux États-Unis d'Amérique, ils ont checké 100%. Vérifier. Mais ça a quitté les États-Unis d'Amérique, 9%. C'est un check de routine qui fait comme ça. Donc là, si bien comprendre, si vous présentez l'insécurité comme une source de richesse pour la mafia, et ça veut dire que. Question ça, c'est mon bagage qui va le résoudre bientôt. Mais il faut regarder pour vous, si vous voulez résoudre lui. Si vous voulez résoudre lui. Vous gagnez, dans le gang, vous gagnez 400 maozo ici. Pour vous passer nos bêtises, vous avez 400 kenyans. Et puis nous, pour mettre, vous avez tout tourné. Vous n'avez pas gagné, mais vous avez votre copie, ça va être bâillé ou pas de bâillé. Dans le deuxième temps, vous avez un matériel qui n'est pas fonctionnel. Dans le troisième temps, vous avez dit qu'il y a tant que la police ou bien les forces publiques haïtiennes. Bah, le temps même pour suivre. Mais pendant que fait ça, permettez-moi de me dire, moi-même, je fouille les zones de Kalalou, je lis un petit journal qui est dans le Centrafrique, dans le Sud-Afrique, et journal sud-africain, et surtout qui a brûlé à travers le monde,
qui dit que bagay a bien marché à Haïti, c'est pas des miracles que Kenyans a fait en Haïti là. Il a fait pile miracle en Haïti et que affaire insécurité matin comme appelé sous France Info, côté qui dit que des progrès considérables ont été enregistrés. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est des messages, c'est pas des messages que vous voyez pour nous-mêmes haïtiens, c'est plutôt des messages pour les peuples africains. Son message vous voyez vous montrer des marches de faire. Sont des marches qui portent des résultats. Pendant ce temps, on n'a pas même 20 personnes, même tout exhorté la société civile haïtienne qui a subi, notamment le secteur économique, là, qui souffre en pile de situation ça. Parce que le problème de sécurité, il agit sur tout secteur, la vie, sur le secteur de la vie nationale. Et que c'est économique, que c'est social, que c'est politique. Donc, l'insécurité, c'est son clé qui ferme toute porte pour nous. Il ferme toute porte pour nous, même penser que vous faites dénoncer. Et des marches, mode campagne, ça qui laisse comprendre tout le bagage marche bien. Tout le bagage marche bien, pas de problème de sécurité en Haïti. Et vous avez même des dirigeants qui ont une perception de ça, il faut comprendre que tout le bagage marche bien. Mm-hmm. Mais malheureusement, si ça nous constate, vous constatez, et si vous avez un chef, un chef dans le pays, demain matin, il va aller au Cap, comme il est au Cap tout dernier, il est dans une journée de couleur, bah, on est. Et c'est. Hélicoptère ou bien avion pour prendre. Même si mon Dieu seul dira, qui est chef dans niveau ça, je suis allé au Cap, je ne peux pas passer titan pour m'aller. Je ne peux pas aller là. C'est ça qui fait me choisir moi-même. Tu es un ancien premier ministre qui devait relever des défis à Gonaïve, tout le monde, qui était pour la théorie. Politiquement, des pour réalistes. Je suis d'accord pour réaliste. C'est ça qui fait toujours du marchand de charbon sous ses doigts. Ou tu es contre qui sort une jeune. Vous avez dit que vous avez dans le premier temps. Et dans le deuxième temps, il faut faire un choix. Je ne dis pas que je ne fais pas. Je ne fais pas préférer perdre en général que gagner en caporal. Parce que ça, moi, je fais là, c'est des gens qui choisissent de gagner en caporal. Avant d'arriver là, je dis ah, je vais faire un coup de mer. Il va son coup de pied. Et là, il va un coup de pied. Non, tout le monde coup de pied. Donc là, est-ce qu'on dit que du seul Simon Lera n'est pas. Ou encore, il y a un pile problème avec la façon que l'actuel dirigeant a mené le pays. Pas qui pays a pas dirigé, Gounia. C'est Goumé qui a gagné. Goumé, c'est la course pour le pouvoir qui a commencé. Dans tous les niveaux. La course pour le pouvoir, et parce que, pas oublier, nous avons gagné 9 membres qui sont dans le CPTA. Et 9 membres, moi-même, j'ai eu un problème parce que j'ai toujours dit si vous voulez faire un conseil présidentiel, il est capable de mettre un triumvirat, même pas pour quantité de monde. Comme l'aime qu'on est qui Jean, dimension, qui Jean, politicien en général, il réfléchit. Ça veut dire, il est prêt pour gagner, mais il n'est pas prêt pour réussir. Ça me fait une grosse différence. Il est prêt pour gagner, il n'est pas prêt pour réussir. Parce que, on doit gagner, on gagne par tous les moyens illicites. Mais pour réussir, la réussite est collective. C'est pour tout le monde, pour tout le monde qui est dans l'environnement. Mais président Dira, écoutez. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait que dans le commencement de l'émission, je me suis rappelé côté où son homme d'État, où tu as occupé plusieurs fonctions en tête l'État, où tu es ministre à plusieurs reprises. Et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est conséquences modèle de gouvernance que nous avons dans le passé. Et ou même, nous avons des déclarations, même côté qu'on fait. Par exemple, tu as dit que. En tant que parlementaire, ou t'es une capacité gaspiller mandat de président. Je dis en là, est-ce que ça n'a pas vivre là? Est-ce qu'on pas gagné? On parle de responsabilité là-dedans tout. D'accord, dit oui. D'accord, dit non. D'accord, dit oui. Si et comme les Américains ont dit, si it, say it. De ouais, quelque bagay, de dire. De dire mais avin sous nous. Il y a des gens qui traitent des gens fous. Donc, vous avez dénoncé tout ça? Je me dénonce en pile bagaille. Je me même dit, vous ne pouvez pas arriver dans le pays, si vous ne pas camper ça qu'a fait là, vous ne faites opération, que les cases dans votre poule. Un monde qui met un costume ou une cravate dans le cou, vous n'avez pas marcher dans la rue, Port-au-Prince. Oui, mais c'est ça, je me dis, la patte n'a pas dénoncé seulement. Non, attendez, moi-même, je dénonce, ce n'est pas moi qui suis exécutif, ce n'est pas moi qui suis pour prendre décision. Et là, je suis dans le Sénat. Ou venez des sénateurs qui préfèrent, des sénateurs comme si qu'on prête pour Gouma, l'autre sénateur, si sénateur vient parler pour le pays contre gouvernement. Pas gaspiller mandat, pas gaspiller mandat qu'un président. Ça me tape dénoncer, je dis à nous, comme dérive.
Mais nous payons les conséquences. De même, ils vont pouvoir me dire qu'il faut nous faire différence entre un monde qui est enceinte et un monde qui est gonflé. Laissez-moi de parler des situations pétro-caribé, etc. Faire différence entre un monde qui est enceinte et un monde qui est gonflé. Parce que les gens qui sont enceintes, même si son fausse couche, ils finissent par accoucher quand même. Mais les gens qui sont gonflés, ils ne sont pas enceintes, ils finissent. Je ne sais pas si ça me donne de l'IA, mais je ne sais pas fini. Vous comprenez? Donc ça veut dire, et l'on n'a pas agi, ou c'est homme d'État, ou responsabilité de l'État dans le monde, ou devez dégager pour faire l'histoire. Parce que vous responsabilité devant l'histoire. Ou devez dégager pour agir avec moralité, parce que Wendell Théodore, Wendell a fait ça, mais Théodore va pour lui seulement. Théodore, c'est pour toute la famille. Même moi-même, je me dis Simon Diocel, je fais ça à Simon Diocel, mais je me dis que j'ai père, j'ai pasteur, j'ai bon l'autre monde. Donc, si je me salis, j'ai plus l'autre monde que saleté, ça va arriver sur eux. Donc, c'est ça que nous n'avons pas de gain comme retenue, comme dimension, et en pile dans nous comme et dirigeants de VIA, qui cause que nous arrivons là, c'est conséquence et conséquence que nous avons payé, je veux dire. Sénateur Lira, ça a gagné quelques jours, dans le contexte de scandale. De corruption qui éclaboussait sous les images quelques conseillers présidents. Alors, ça que fait me prendre comme ça, c'est parce que tu n'as pas le bon déclaration que CARICOM, tu n'as pas le fait, côté que tu as demandé pour lumière faite sous question. Or, moi, apprendre côté rencontrer mon, quelques membres de la délégation, ou bien toute délégation CARICOM, non. Qui soit qu'à partager avec nous, qui soit qu'à dire nous, qui t'a discuté, qui t'a dit, en plus de déclarations publiques de CARICOM, qui ça nous connaît? Bon, et nous t'ai parlé et nous t'ai abordé la question de la gouvernance actuelle. Là. Et moi-même, je t'ai dit que ça va très mal. Ça va très mal parce que, et, alors, si vous permettez, nous avons une petite fenêtre tout petit. Qui n'a pas gagné ouais, avec. Mais pour me faire genèse, pour que ça m'aurait toujours compte que j'ai 9 personnes dans le conseil présidentiel. Pour 9, dans 9 fois, sous fait anagramme, nous avons le feu et, le, et la lettre N. Le feu et la lettre N. La lettre N, c'est 14e, d'adi, lettre dans l'alphabet que nous utilisons. C'est l'accomplissement, 14e station. Donc c'est l'accomplissement du feu. Ça n'a pas marché. Ça fait 1. Deuxièmement, l'on prend 9, quelle que soit l'opération à faire, faire pour vous une justesse, li. De vous arriver sur 9, vous dites niveau 0. L'on fait preuve là. Encore plus, si nous continuons mathématiquement, quel que soit le nombre vous prenez, vous multipliez par 9, l'on fait la somme hébraïque de tous ces nombres, le résultat aboutit encore à 9. Alors, quand on place, on ne fait pas. Là, nous n'avons pas de mathématiques, nous avons l'autre plan ou bien? Nous avons tout plan honnête. Ouais. C'est des fois, c'est là, tout plein là. Non, non, tout plein. Oui, mais on met le niveau pour moi-même commencer à comprendre. OK. Et pour okay. L'autre, monde qui comprendre donc, tout. Pour me tourner dans CARICOM, non? Nous dit que, nous te dit, monsieur, nous non, arrivé, avant CARICOM, non. Avant CARICOM, non. Ouais. Donc là, on dit nous que 9 là, pas qu'à marcher. Il pas qu'à marcher. Parce que N, c'est 9e lettre de l'alphabet. 14e. 14e, oui. Il pas qu'à marcher. Qui est capable de comparer avec la 14e station. Oui. Donc c'est l'accomplissement. Ou accomplissement par obligé négatif. Il n'est pas obligé négatif, mais c'est l'accomplissement du feu. Parce que l'on neuf là, on fait anagramme, les neuf là, il est au feu. Oui, mais le feu est un élément parmi les quatre. Et le feu, ça n'est pas obligé, on va être négatif. On en a besoin, au contraire. Certainement pour la purification, certainement aussi pour brûler. Voilà, pour la brûler certaines fois. Oui. Maintenant, ça brûle. Ça brûle maintenant. Ça brûle. Ça brûle et ça nous fait voir maintenant nos hommes politiques debout, assis et à genoux. Nos hommes politiques. Oui, assis, debout et à genoux. Donc. Mais dans quelle catégorie vous-même, dans ça, comme politique yes. Ou pas au pouvoir, certes, mais vous êtes un homme, je ne connais pas, ou sont politiques. Bon, je ne suis pas au pouvoir, mais je suis un candidat à l'histoire et à l'immortalité. Ça veut dire, toujours candidat, à l'histoire et à l'immortalité. Donc, c'est. Moi, debout pour le moment. Ou debout, OK. Jusqu'à présent, je suis debout. CARICOM. CARICOM et. Vous pas d'accord, 9 membres là? Oui, je me dis qu'il y a une trouble. Je me dis qu'il y a une trouble. Moi-même, je suis. Pour me sincère avant, je me suis une option pour avoir un grand président qui était cassation. C'est des positions pas nous. Le groupe qui est dans le discours de CARICOM, c'est des positions. Le groupe qui me fait partie de l'église solide là, c'était position nous. Donc, pas pour ça. Mais je pense que comme nous, nous devons faire accompli.
Et on nous a imposé cette formule. Mm-hmm. Parce que moi-même, toujours dit, depuis le président du Sénat, nous sommes dans un pays occupé. Nous parlons de comprendre, comme si nous sommes libres, nous prenons des décisions pour qu'on. Ou elle parle au Negla, ou dit Negla, mon cher, on met un petit son nationaliste encore, nous pouvons faire un café pour elle. Dit, ah oui, il faut me donner ça blanc en français. Il y a la guéchaï qui n'est pas bon sous blanc, c'est comme si tout mal le pays est blanc. Alors que c'est nous le problème. Là. C'est nous le problème là, parce que nous n'avons pas de caractère, nous n'avons pas de dimension. Parce que même si blanc a dit, fait tel bagage pour casser le pays. À un certain moment, blanc, j'ai tout, parce que lui, il y a un monde qui parle, mais pays, il parle, qui ne parle pas confiance en lui-même. Il est déjà bon pour montrer, même s'il sait pas, oui. Donc, nous devons exhorter les gens qui ont payé à la journée, pour faire attention, pour comprendre ça. Donc, dans le rencontre de CARICOM, nous avons dit que moi-même, j'estime que ça gagne la com, gouvernance, là, les bons aspects de la gouvernance de survie personnelle. Des deux côtés. Et du côté de la primature et du côté du CPT. Mais les affaires de la République ne sont pas encore sur la table, dans la mesure où ils ont formé un conseil présidentiel de transition sur base de consensus. Et sous base de ça, le conseil a choisi un premier ministre qui est émanation du conseil. Encore, on a dit sous un prétexte de consensus, parce que ce n'est pas de bon consensus vraiment sur question ça. Et pour qui ça c'est le premier ministre, bon, je me questionne, pourquoi c'est lui? Et on va avoir un problème personnel avec elle? Non, je n'ai pas un problème personnel avec elle, sauf que c'est quelqu'un qui s'était détaché du pays pendant 12 ans. Et c'est vrai, gros nom, il était responsable régional, et UNICEF, etc. Mais qu'est-ce qui a été bénéficié pendant qu'il était responsable de l'UNICEF? Je ne sais pas. Mm. Pendant temps, ça. Si mon enfant enceinte est toujours mourir, les coups font l'école pays a défermé, mon déjeuner pas circuler. Donc ce n'est pas pour ça qu'il a choisi. Il a choisi parce que son haïtien qui voulait participer dans la politique pays. Et d'autant plus, c'est un ancien premier ministre PHTK qui le dit. Donc il a gagné un minimum d'expérience qu'il a fait dans la société déjà. Donc il n'a pas de guette à accomplir, mais il tourne pour l'accomplir. Mais il faut que j'aime le parti là-bas qui a fini à accomplir. Et sous prendre, tourner dans le même domaine d'avoir, il prend Koni, sous vire, il fait un agam dans la bonne colline. Colline, c'est une petite montagne. Il n'est pas arrivé au sommet, il n'est pas privé à atteindre l'objectif. Il a toujours commencé, mais fini, il n'est pas facile. Même pas de connaître ça, non? Pas de connaître ça, non? Donc, gardons montagne, gardons sommet, et puis gardons colline. Et puis, on a tourné sous barre là d'aller, mais pour notre vous continuez à carrer. Il y a quelqu'un qui dit qu'au cas pour un dérat, ou virer, ou pour je ne sais pas, la donner. Bon, oui. Et quand vous avez fait, vous avez ajouté S.I. Et nous, on fait le tourner déraciné. On va faire tout ça. Oui, nous, c'est inversé, c'est là-bas. Je ne vais pas dire là. Je ne vais pas dire là. Donc, il faut croire que le gars n'est pas bon. C'est le bon. Non, il est bon. Je ne vais pas dire là. OK, très bien. Maintenant, vous avez parlé de l'accomplissement tout à l'heure. Là. Mais nous, devant un fait accompli. Le fait accompli, président Dera, c'est qui ça? C'est que, ou encore, la réalité, nous gagnons. 9 personnes, ils sont là. Oui. Ils sont déjà là. Nous t'a doué parer nous, accepter tout, composer avec eux dans l'intérêt du pays. Et M. Koni, Premier ministre Gary Koni, il était quitté le pays pendant un certain temps. Pour moi, pour nous, c'est vrai que il était Premier ministre sous Michel Martelly pendant quelques mois. Mais je dis, hein, je ne sais pas par quel artifice, il est le Premier ministre. Est-ce que nous ne pas doué, dans l'intérêt supérieur de la nation, accepter de composer avec lui pour que, au moins, le pays soit capable de sortir dans sa liaison et même boycotter pas nous tous, si possible? C'est une très, très belle question. Et permettez-moi une bonne réponse appropriée à la question. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne pas doué composer avec lui? Ou bien avec les gens qui sont sous pouvoir. Mais permettre moi de ces problèmes, ça, moi, j'ai posé devant CARICOM dans tout, moi, dit, moi, pensais que monsieur Damsaro qui est sous pouvoir là, ils sont un fruit de un consensus. Mais ils comportent autant que c'est des gens qui étaient élus dans l'élection. Ou bien son héritage, maman, papa, qui était pour eux. Donc, ils n'ont pas composé avec personne. C'est quand ils gardent ça, ils ont fait. Et accepter ça, ils ont imposé. Contrairement avec attente, moi, que son gouvernement qui montait son base consensus, ou un gouvernement qui montait son base consensus,
yo ta supposé ouvrir bra yo ba l'autre secteur, même secteur qui est dans discussion 11 mars avec yo. On prend gapon force ouverte hier, on gapon solide. Yo pas besoin de consulter ni sous accord 3 avril et ni sous formation gouvernement, ni sous conférence nationale, ni sous KEP, ni sous constitution. Yo pas faire aucune consultation qui l'a fait ba connait. Mais est-ce que vous êtes obligé de faire, le sénateur Dira? Bon, ok. Parce que moi, je m'habitue, je suis quelque temps, j'espère que je fais politique, mais je suis le comportement de nos hommes d'État, de nos politiciens. Depuis, je suis sous pouvoir, par quel moyen, pas demander, pas poser de questions. Tout le monde, presque, sénateur Dira, est-ce que maintenant, est-ce que le monde qui est sous pouvoir là, il est obligé de consulter l'autre acteur tant que j'en dis là? Non, si vous me répondez une question, vous vous posez maintenant, vous pensez que vous avez fait ça. Pour qui ça? Pour capable apaiser la tension qui vient, pour capable dépasser le clivage, et en même temps, pour capable faire, et ça gagner un minimum d'inclusivité et de consensus dans la forme de gouvernance à mettre sous place là, en lieu et place du gouvernement de survie, en lieu et place du gouvernement sultanique, en lien place de menace de régime kleptocratique. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral valider, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.